accueillir un montréalais qui fait un métier très rare un métier exceptionnel puis qui est reconnu partout dans le monde les grands opéras de France à Victoria en Colombie-Britannique aux États-Unis pour son talent puis c'est quelqu'un que presque personne connaît ici à Montréal donc on a dit que on s'est dit que Creative Mornings Montréal serait la meilleure tribune pour que vous puissiez Découvrir le métier de metteur en scène d'opéra en la magnifique personne d'Oriole Thomas. Alors, bonjour à tous. Premièrement, merci d'être venus en si grand nombre. Le thème d'aujourd'hui, c'est la magie. Et j'ai pensé au début à porter mon chapeau pour faire apparaître un lapin. Mais finalement, comme vous pouvez voir, je n'ai ni chapeau ni lapin, car je ne suis ni clown. Ni magicien, ni orateur, je suis <laughs> metteur en scène d'opéra. Et de toute façon, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la magie qui soit à la hauteur de ce que nous venons d'entendre? C'était Susan Rigdon et Francis Perron, et un peu plus tôt, deux artistes de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, Chelsea Ross et Max Van Vick. Nous avons tous connu des moments magiques, des situations magiques. Nous avons tous rencontré des personnes magiques, et je me suis questionné sur ce qui était magique dans mon métier. Et je vous avoue que c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, et je vous propose d'en faire autant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, de tous ces moments magiques qui peuplent mon métier. D'abord, il y a les lieux, les maisons d'opéra, les théâtres tous ces lieux empreints d'histoire, de vécu, toutes les passions dont les murs ont été témoins. Et je me suis toujours dit, si les murs pouvaient nous parler, si les murs pouvaient nous raconter la grande histoire comme la toute petite histoire, qu'est-ce que ce serait Je me souviens de, de tous ces moments magiques. De, du sentiment de plénitude, un sentiment d'accomplissement et de fierté. Quand j'arrive sur la scène et que la scène passe d'un espace vide à un espace plein, quand on passe de la maquette du décor au décor réel, bien avant que les interprètes n'arrivent, bien avant que les éclairages ne soient là. Et c'est déjà très impressionnant. Le décor existe, mais tout est encore à créer. Il faut animer la scène. Vous pouvez voir ici, par exemple, la maquette d'un spectacle que j'ai fait dans 15 maisons euh, de France lors d'une tournée qui s'appelle Les Caprices de Marianne d'Henri de, Sauguet. D'abord, nous avons la maquette. Ensuite, nous avons <laughs> moi qui explique euh, la maquette au euh, chanteur, à toute l'équipe. Ensuite, le décor est en construction, donc c'est déjà très impressionnant de pouvoir euh, voir l'évolution. Par la suite... Nous avons les maquettes des costumes. Et finalement, nous avons les, euh, une photo d'une des représentations, une des ambiances du spectacle. Tant que la salle est vide, sans spectateurs, on est encore au moment de l'esquisse, on est encore au moment du brouillon, on peut encore se tromper. Mais quand vient le soir de la première, là, on est dans le réel. Et je vous avoue que pour moi, il y a un sentiment de bonheur de voir mon travail accompli. Mais en même temps, il y a beaucoup de trac. Et c'est un peu comme se mettre à nu. Les chanteurs viennent voir, entendre une histoire qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Ils viennent entendre des chanteurs qui chantent bien ou qui ne chantent pas bien. Ils viennent voir un décor qui va leur plaire ou qui ne leur plaira pas. Et ils sortent du spectacle en se disant, j'ai aimé ou je n'ai pas aimé. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont aimé ou qu'ils n'ont pas aimé Est-ce que ce sont les éclairages Est-ce que ce sont les perruques Est-ce que ce sont les intentions des chanteurs Car pour moi, il s'agit en quelque sorte de transmettre aux spectateurs toute cette magie que j'ai moi-même éprouvée en préparant le spectacle, sans qu'ils ne perçoivent mes propres doutes. C'est qu'en fait, je suis tributaire de la réussite harmonieuse du spectacle, de la conjugaison de tous les éléments. Et je vous avoue que je me sens souvent comme un funambule qui marche sur une corde raide, toujours sur le bord du précipice. Est-ce que ce sera un échec ou une réussite? Est-ce que. Il va bien chanter aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera malade Est-ce qu'elle sera aussi touchante le soir de la première que lorsque nous étions en répétition Car je dirige des êtres humains, des personnes, avec leurs forces et leurs faiblesses, qui sont toutes différentes les unes des autres, avec leur culture, avec leur propre histoire, avec leur identité. Je dirige aussi des chanteurs, des chanteurs dont l'outil principal est leur voix, leur corps, et qui souvent, sans préavis, cet outil si fragile peut manquer au rendez-vous. Mais quand tous les éléments sont réunis, quand tous les éléments s'harmonisent entre eux, c'est comme si, soudainement, d'un coup de baguette magique, On transformait la salle d'opéra. Dans mon métier, il y a aussi des rencontres, de grandes rencontres, des rencontres magiques. J'ai justement un souvenir que je n'oublierai jamais, un souvenir ineffaçable. On m'engage dans un opéra de France et celui qui sera mon assistant me téléphone pour me dire qu'il est prêt à faire l'horaire de production. Donc, je lui donne les informations nécessaires et. Il me dit qu'il m'enverra le document par la poste. Il me dit également qu'il a un certain âge et qu'il a ses habitudes, ses façons de faire à lui. Quelques jours plus tard, je reçois le document par la poste. Et je me rends compte que ce document est écrit à la main. Nous sommes en 2012. Un document écrit à la main. Quelques jours plus tard, je reçois un autre appel. Il s'agit du concepteur d'éclairage. Et je lui dis que je vais lui envoyer les inspirations de toutes les ambiances d'éclairage que je voudrais voir euh, sur scène. Je lui dis également que je vais créer un dossier Dropbox et que je vais euh, le partager. Il me dit hmm, "Ce sera pas possible malheureusement, je suis de la vieille école." je n'ai ni ordinateur ni internet. par contre, il me dit qu'il est ouvert aux nouvelles technologies et que, <laughs> et que je peux lui envoyer les documents, euh, les envoyer dans le mail de l'imprimerie qui se trouve près de chez lui. il les imprimera, il les regardera et il me retéléphonera pour les commenter. quand je suis arrivé au théâtre, je me suis rendu compte que tout les plans d'éclairage avaient été dessinés à la main. Et j'ai appris un peu plus tard que cet homme, bien qu'il avait l'électricité chez lui, <laughs> par souci de poétique, il s'éclairait à la chandelle. Et je me suis dit, oh boy, ça c'est mon équipe. <laughs> Mais finalement, avec ces deux collègues avec qui j'ai eu des échanges très enrichissants, avec qui je me suis très bien entendu et qui ont été d'une compétence et d'une efficacité remarquables. Je me suis aperçu qu'en réalité, l'essentiel réside dans la qualité des êtres humains, et qu'on qu fasse du théâtre, de l'opéra ou de la mise en scène. Le but, c'est d'aller chercher chez chaque spectateur la part d'humanité que nous portons tous en nous. Et je vous avoue que, quand ça, ça se produit, ça tient de la magie. Sachez qu'il y a une très grande diversité parmi les maisons d'opéra. Elles ont toutes leur façon de fonctionner. Elles ont toutes leur histoire, leur tradition. Et c'est clair que ce n'est pas un jeune metteur en scène nord-américain comme moi qui va arriver soudainement et qui va changer les valeurs, les façons acquises depuis, depuis plusieurs siècles. Le budget alloué d'une production à l'autre, d'une maison à l'autre est différent. Le temps de préparation, le temps de répétition est différent. Nous avons en général entre deux semaines et un mois, que ce soit un opéra de trois actes ou de cinq actes, avec 15 interprètes sur scène ou avec 285. Et parfois, on me demande de diriger deux distributions. Donc, il y a aussi la grandeur de scène qui diffère. Lors d'une tournée, on doit s'adapter. Il y a aussi la qualité et la quantité du personnel. L'équipement est différent. Et malgré tous les moyens discordants, je me dois de jongler avec tous ces éléments et de faire en sorte que ça fonctionne. Ah, excusez-moi, je j'oubliais. Dans la liste que je viens de vous énumérer, il y a aussi... Les égaux. Ça vous dit quelque chose Les égaux, il y en a de toutes sortes. Il y a les surdimensionnés, il y a les petits, les peu de choses, il y a les exubérants, les absents au combat, les frileux. Et malgré tous les aléas possibles, la magie doit opérer. Et c'est mon rôle charnière de faire en sorte D'y parvenir. J'arrive toujours en salle de répétition avec une mise en scène pré euh, préparée. Et comme quand j'étais petit, je déplaçais les petits bonhommes, je les faisais bouger. Alors là, je les ai fait bouger sur la maquette du décor. Et je me suis questionné sur l'époque, je me suis questionné sur l'histoire. Sur les personnages, je me suis questionné sur les relations, sur les rapports de force, sur les énergies corporelles, les mouvements, et bien évidemment sur le style musical, la musique, le pourquoi d'un point d'orgue, le pourquoi d'un crescendo. Et il peut arriver que j'arrive en salle de répétition et que les interprètes ne correspondent pas du tout à ce que j'avais imaginé, ou Qu'ils ne se soient pas préparés convenablement. Ils n'ont pas compris le message central. Ils n'ont pas compris leur rôle. Ils ont une vision qui n'englobe pas tout. Elle est tout à fait partielle. Je suis au cinquième siècle espagnol. Je vous donne un exemple. Dans un opéra de passion, un opéra de feu, un opéra d'amour, un opéra de sensations fortes, et les deux interprètes censés s'aimer, se regarder se toucher, se désirer, s'embrasser, nous atteindre, nous toucher, n'arrivent même pas à se regarder dans les yeux. Soit parce qu'ils ne s'aiment pas en tant qu'interprètes, soit parce que leur ego leur en empêche, soit parce que tout simplement ce n'est pas naturel dans leur culture. Donc, il arrive que tout ce que j'ai préparé je dois le recommencer. Et ça me fait souvent prendre conscience de l'échec possible. J'ai peur que la vinaigrette ne prenne pas et que la magie s'envole. Et quand tu te trouves devant ces interprètes qui, pour toutes sortes de raisons, résistent à mes exigences, que faire Car la critique, elle, tout comme le spectateur ne saura jamais quelles sont toutes les oppositions, toutes les restrictions, toutes les limites auxquelles j'ai dû faire face. Seul le résultat final compte. Mais une chance que parfois, <laughs> au contraire, les interprètes m'amènent là où je n'aurais jamais pensé aller. Ils me surprennent, ils nourrissent mes idées. Il me touche. Et tous ces interprètes d'origine, de langue, de culture, d'idéologie différente. Parce que, je vous donne un exemple, je, ça m'est déjà arrivé d'être en salle de répétition avec un Torontois, un Québécois, une japonaise, un Coréen, un Salvadorien, une Italienne, et le chef également était Italien. Ah, il y avait un Australien aussi. Donc toutes ces personnes de langues différentes, dont la seule visée est la réussite du spectacle, ils oublient momentanément leurs différences pour faire équipe, comme une équipe sportive qui a pour but de gagner. Et ça aussi, c'est magique. En salle de répétition, je travaille avec un coéquipier principal. Il s'agit du chef d'orchestre. Et comme le nom l'indique, c'est un chef. Et parfois, <laughs> c'est tout un chef. <laughs> et il se peut que le chef et moi n'ayons pas la même vision du spectacle. Il se peut que nous n'ayons pas la même façon de faire, de stimuler les chanteurs. Et le pauvre chanteur, pris entre deux autorités, peut devenir extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Alors, rapidement, j'essaie de m'entendre avec le chef d'orchestre. J'essaie de euh, faire en sorte que nous soyons sur la même longueur d'onde, afin que le chanteur soit rassuré et il puisse devenir un créateur à part entière. Donc, il s'agit pour moi d'établir la confiance, de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, parce que, en réalité, c'est le premier pas pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Je joue donc un rôle de pont censé relier tous les éléments souvent incompatibles et voire même carrément opposés. En dehors des effectifs matériels concrets dont je dispose ou pas, car les limites sont toujours présentes, j'ai réalisé que la clé dans la pratique de mon métier réside dans la souplesse, dans la capacité d'adaptation, dans la facilité à exprimer les idées, dans la facilité à communiquer aux personnes différentes, mais aussi dans l'imagination pour contourner tous les obstacles qui vont de toute façon surgir. Parfois, je me réveille la nuit, souvent, en me disant mm, ⁇ ça ne marchera pas <laughs> ⁇ Ça ne se pourra pas <laughs> ⁇ Et euh, je doute. Je me questionne, je remets tout en question, je brasse les idées, finalement, euh, je jette tout et je recommence. Et j'ai réalisé après 15 ans que je suis encore là comme metteur en scène parce que le doute, je me le suis autorisé. Le doute est nécessaire pour créer le doute est nécessaire pour se questionner pour se mettre en relation avec les autres pour se mettre en relation avec ses collègues. Le doute est nécessaire pour amener les idées, la pensée plus loin, pour faire sur surgir de nouvelles sensibilités, pour faire surgir la créativité des gens avec qui on travaille. Et une chose est certaine, c'est que dans mon métier, on ne compte jamais son temps, car tout est sujet à être revu, modifié, corrigé, jeté à la poubelle, le cas échéant. Et en fait, je voudrais vous faire un aveu aujourd'hui. J'ai réalisé que paradoxalement, le doute est ce qui nourrit ma force. Et quand je me retrouve devant ces grandes œuvres, telles que La flûte enchantée de Mozart, telles que Carmen de Bizet, ou encore Léonore de Beethoven, qui sont de grands monuments, tant du point de vue du livret que musical, trois œuvres que je mettrai en scène. Bientôt. Je me demande toujours est-ce que ma lecture va réussir à englober, à contenir toutes les richesses de ces œuvres Est-ce que ma compréhension, ma vision, ma mise en scène sera bien représentative de ces œuvres qui ont, qui ont été créées bien avant moi Est-ce que je trahis Puccini Est-ce que je trahis Verdi qui suis-je au fond, moi, pour mettre en scène, alors que des milliers de personnes l'ont fait avant moi? Et je me dis, au fond, j'aime mon métier passionnément. Et personne ne l'a fait à ma façon, avec ma sensibilité à moi. Je suis un créateur. Je suis un metteur en scène. Et mon but, c'est de raconter une histoire. Mon but, c'est de rejoindre le public, de le toucher, de lui faire vivre des sensations. Ce que je veux, c'est que le spectateur sorte du spectacle enrichi par une nouvelle expérience. Car l'art moderne, c'est ça, c'est de faire vivre de nouvelles expériences. Et le trait commun de tous les arts, c'est d'amener les autres à vivre, c'est d'amener les autres à connaître un nouvel univers. Et ça, c'est magique. Et quand j'aborde une nouvelle mise en scène, j'essaie de ne pas avoir une idée trop préconçue. Quand j'aborde une nouvelle mise en scène, je me laisse moi aussi guider par elle. Et ce n'est que beaucoup plus tard que je décide jusqu'à quel point je veux l'actualiser pour qu'elle rejoigne, pour qu'elle parle le plus possible aux spectateurs d'aujourd'hui. En réalité, il me faut de la liberté pour créer. Et chaque œuvre a sa propre poétique. Et ce que j'aime de mon métier, c'est que je me sens privilégié parce que tous les jours, j'ai l'impression d'apprendre. Quand je plonge dans une nouvelle mise en scène, je plonge dans une nouvelle période historique. Je plonge dans un auteur. Je plonge dans une musique. Je plonge dans une œuvre. Et. Je me dis, hey, quel chance j'ai de toujours pouvoir continuer à apprendre tout en exerçant mon métier. Et d'apprendre toujours, ça aussi, c'est une des beautés de la vie. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment se porte l'opéra Y a-t-il encore de la place pour cet art à une époque où on ne s'éclaire plus à la chandelle et ma réponse toute personnelle, c'est que tant et aussi longtemps que l'opéra continuera à nous émouvoir, à nous toucher, à percer la carapace de l'être humain, oui, il y aura une place pour l'opéra. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on, tous ensemble, tous en chœur, qu'on remercie encore très chaleureusement Auriol et tous les chanteurs, musiciens qui ont contribué à créer la magie ce matin. Merci, merci à tous.